J'espère que le micro était branché. Ouais, j'ai recommencé mon intro, ça sera mieux. Yo les gens, c'est The Phoenix. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur Black Ops Duty mobile. Donc, oh là, ça lag un peu. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur ce jeu mobile où on m'a demandé une vidéo dessus. Donc je ferai quelques vidéos, pas tout le temps dessus, mais parce que je préfère encore être sur la console, c'est mieux. Donc voilà, donc on va commencer une petite partie, donc je vais vous présenter un peu ce jeu. Hop, hop. Donc normalement vous n'aurez pas les bruits comme d'habitude, vu que j'ai toujours pas réglé mon logiciel pour tourner les vidéos du téléphone. Il faudrait en fait que je change de téléphone en fait, parce que je suis toujours avec le casque, donc c'est un peu chiant pour faire les vidéos. Tac, alors on récupère déjà tout, donc ce qu'il nous propose en journée. La boutique, qu'est-ce qu'ils nous veulent encore en boutique? À la une, les caissons. Ah mais ça, je m'en fous de ça. Oh, j'y suis jamais allé. Prime gravité. Il y a pas mal de choses. Je suis jamais allé sur la boutique. C'est. Je fais des découvertes en même temps que vous. Ok, bon, ça, faut acheter. Mais on va aller en multi, nous, aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on a eu dans la caisse? Qu'est-ce qu'on a dans la caisse? Donc, aujourd'hui, normalement, si tout va bien, vous aurez deux vidéos. Vous aurez une vidéo sur le mobile et une vidéo sur la console. Donc, il y en aura deux. Donc, avant tout, je vais vous présenter à peu près ce jeu. Donc, il y a le multi, le Battle Royale et du zombie. Il y a aussi du jeu d'arcade et des parties classiques. Donc, si par exemple, vous voulez jouer avec vos amis, vous pouvez. Moi, je joue beaucoup en multi sur ce téléphone, en fait. Parce que le truc, c'est qu'en fait, on commence déjà en multi. Le gros problème de ce jeu, c'est que vous devez obligatoirement monter de niveau. Bah, problème, non, c'est pas vraiment un problème. Faut être niveau 10 ou 10, je crois, pour débloquer le Battle Royale et le zombie. Donc, c'est pas si dérangeant que ça, en fait, si on regarde bien. Parce que, vu que le procédé du... Ok, d'accord, j'ai une nouvelle grenade. C'est un aspect de grenade, super. Ah, l'aspect de grenade. Ouais, je vais la mettre, équipée. Voilà. Bon, ouais, j'utilise jamais la grenade, mais bon, c'est pas grave. Je préfère utiliser mes bonnes armes. Donc voilà, Battle Royale, multi-zombie, jeu d'arcade. Un jeu gratuit sur téléphone. Moi, franchement, j'étais pas trop chaud pour le télécharger, je vous le dire clairement. Autre que il faut obligatoirement, voilà, comme tout jeu, à un moment donné il faut acheter des choses, mais vous pouvez, si vous arrivez bien à gérer le jeu, normalement vous avez rien à acheter. Moi, je me connecte à peu près tous les jours pour jouer un tout petit peu. Franchement, moi, il n'y a rien à dire sur ce jeu. Voilà, c'est, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter sur ce procédé de jeu. Donc, je vais lancer une partie en multi. Donc, c'est parti. Donc, vous voyez bien, alors, vous avez vos amis sur le côté. Vous avez vos amis sur le côté. Vous avez vos parties classiques, parties classées. Série de points, les équipements. Donc, série de points, c'est facile. Moi, j'ai le drone de chasse et j'ai le X1 Goliath qui est très, très, très pratique quand vous arrivez à faire pas mal de kills. Le seul gros problème sur ce téléphone, que ça soit sur téléphone, c'est que moi, en temps normal, déjà, jeu de gâchette, c'est déjà assez compliqué. Alors,
pour ceux qui vont voir quand je vais jouer, oui, je ne tire pas, c'est le directement le jeu, ça se fait automatiquement. Je préfère vous le dire, comme ça il n'y aura pas tu triches, machin. Non, non, je triche pas. Le truc, c'est qu'en fait, il y a j'ai vu qu'il y avait des personnes qui m'ont demandé et j'ai vu qu'il y avait un Français. Il m'a fait, c'est beaucoup plus pratique. Et c'est vrai que il y en a qui se mettent avec le bouton pour tirer. Mais le truc, c'est que ceux qui ont des petits téléphones comme le mien, moi j'ai un Samsung J3, des fois j'ai l'écran qui est tellement. Puis j'ai des gros pouces. Pour jouer avec mes pouces, c'est vraiment pas pratique. Alors des fois, j'ai l'écran, il se coupe. Et c'est vrai que c'est chiant, quoi. Alors je préfère vous le dire tout de suite, comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc voilà, on va lancer une partie. Alors en même temps, pendant que ça cherche, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre la cloche de notification et de mettre des commentaires. Alors je sais que pour beaucoup, vous allez dire, ouais, tu vas tricher, machin, la carte, machin. Alors je suis désolé, mais c'est vrai que là, sur ce point, je peux pas faire autrement. Et c'est vrai que vous allez voir, il y aura des moments où je vais vraiment avoir du mal à me déplacer. Bah, à part si je me fais mentir là sur ce coup. Mais normalement, je vais avoir des moments où je vais laguer à mort avec mon pouce, quoi. Il y a juste les déplacements. Ouais, d'accord. J'ai. Ok. Oh. Ouais, mais attends. Ouais, mais j'arrive directement en session là. Mais comment ça se fait? Non, mais. Alors là, par contre, j'arrive en pleine session. Le gros problème de la session, c'est que vous voyez, on arrive directement en session et là, c'est vraiment compliqué de jouer. Voilà, parce que là, bah, on va perdre, ça c'est sûr. Mais en temps normal, quand j'arrive dans une session où, voilà, c'est pas en plein milieu, c'est déjà beaucoup mieux. J'arrive déjà à mieux gérer. Mais là, c'est sûr que là, avec le colosse qui est là-bas, voilà. Là, c'est lui qui va faire des kills tout le temps. Ah, même pas, c'est l'autre avec sa flèche. Et c'est un truc que j'ai horreur, moi, d'arriver en pleine session, parce que le truc, c'est qu'on on sait pas sur quoi on va tomber. Non, mais il est où en fait le gros là? Ouais, c'est chaud. Mais là, ils auront gagné facilement, donc je vais refaire une partie pour vous montrer que voilà que j'essaie de jouer à peu près correctement. Mais là, c'est vrai que là, je suis arrivé à peu près. Voilà, il va me canarder. Voilà, je suis mort et puis c'est moi qui ai pris le dernier kill, donc je vais te. Voilà. Mais je suis arrivé, j'ai fait quoi? J'ai peut-être fait 2-3 kills sur quand je pour que sur je sais pas combien de morts, je suis peut-être mort 5-6 fois. Voilà, et le truc c'est que là la machine, je l'ai, donc c'est celle que je vous dis, donc elle est vraiment mais vraiment puissante cette machine-là, mais le truc c'est que ouais, le jeu est trop compliqué. Il est trop compliqué pour moi pour le téléphone. Faudrait que je change de phone, mais voilà. Donc vous aurez peut-être 2-3 vidéos, une vidéo par semaine, on va dire. Je vais vous dire une vidéo par semaine avec un petit rajout de vidéo. Donc vous aurez une autre vidéo qui suivra. Donc par exemple, vous aurez celle-là et vous aurez une autre vidéo qui suivra plus tard. C'est quoi ça? Contact. Oui, je sais. Ouais, là, vous avez vu ce que j'ai.
Ouais, bah oui. Donc ouais, bah ouais, ils font à peu près 230 2354 points. Ouais, ça va. C'est à peu près ce que je fais quand j'arrive. Ouais, même pas. Ouais, je suis à peu près le même truc. Mais le truc, c'est qu'il y en a, ils sont cheatés quand même. Ah, j'ai eu un atout en supplément. Ça, c'est bien. Donc, j'ai pas vu. J'ai fait combien de kills? J'ai éliminé 3 personnes. Alors le seul problème, c'est que là, vous voyez, 4, 4, 4, 8, 4, 3. Ouais, c'est soit il y en a un qui était tout seul au début, ou ils étaient à 2 contre je sais pas combien, et puis vous voyez celui qui a fait le plus, voilà. Donc, on va faire une recherche. Non, peut-être pas faire une recherche. On va pas faire une recherche, on va aller directement en jeu. On va directement rechercher. Normalement, si je recherche là, normalement je devrais pas avoir de problème. Faut pas que j'oublie mon café, moi. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaît un peu, hein, parce que voilà, je sais pas du tout à combien on est. J'ai pas réglé le logiciel parce que je l'avais supprimé. Je faisais plus de vidéos sur téléphone. Et vu qu'on m'a demandé de faire des vidéos sur ce jeu. Je me suis dit, allez, bon, allez, je leur télécharge, sauf que ben, j'ai pas réglé, j'ai pas fait quoi que ce soit. Puis je suis un peu emmerdé parce que j'ai cassé mon casque, celui que je porte. Je suis un peu dans la merde en ce moment. J'ai cassé mon casque et je suis vraiment un abruti pas possible. Donc, ok, on est où là? Ah oui, d'accord. Putain, on n'a pas fait aucun kill là? Attends, moi faut que je bouge, hein. Faut que je bouge parce que sinon, si je bouge pas, je vais me faire allumer la gueule. Voilà, hey. Tu prends tes balles, oui? Le sniper là-haut. On va lui régler son compte avant qu'il nous. Le sniper est en train de m'allumer la gueule. Ah putain! Ah, ils sont chauds aujourd'hui! Ou c'est moi qui fais de la merde avec mon. J'ai pas l'habitude avec le casque. En temps normal, je joue juste avec le son et. Putain, mais. C'est pas possible! Ah putain, mais il y en avait. Bah non, c'était lui en plus. C'est celui que je visais en plus. C'est chaud. Oh, puis par contre, ils auraient pu faire un peu plus de kills quand même. Allez, tu prends tes balles, oui. D'accord. Voulez jouer à ça? Prenez l'avion. C'est un cadeau de ma part. Voilà. Pour la peine.
Alors? Pourquoi il a pas tiré ce couillon? Voilà. Me suis défoulé! Wow. Pourquoi t'as lagué, du con? Putain. Oh là, bah, se calmer là, les lattements de. Voilà. Je suis en plein milieu, moi. Hop. Ouais, je t'ai vu arriver, hein. Oui. Oh, vous voyez? Alors là, je joue, j'essaie de jouer à peu près correctement, hein. Mais c'est vraiment chaud, hein. C'est vraiment très chaud. Bien voir l'armure pour vous montrer à peu près comment c'est. Oh putain, il est en train de me. Moi, je suis en plein milieu, tu sais, le gars, pas chier. Non, non, mais moi, ça tout va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de camper en plein milieu. Alors, vous voyez, déjà, j'ai déjà du mal à viser. Putain, c'est le sniper qui m'a allumé la gueule. J'ai déjà beaucoup de mal à viser rien qu'avec. Bah, déjà, rien qu'avec ce procès. D'accord. Putain, mais c'est encore le sniper, mais il me casse les couilles! Bon, c'est pas grave, vous verrez pas la grosse bestiole. Non mais oh, j'en ai marre que tu me vises comme ça, toi. Ah là, c'est moi qui ai fait le dernier kill. Coucou, je suis là. Ah, c'est 49-50, hein, quand même. Franchement, il aurait pu me buter ou... voilà, quoi, ça s'est joué à un point... un point... Bon, combien on a fait de kills? Donc, bon, bah avant de, on va finir cette vidéo. Donc, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette vidéo. Si ça vous a plu, si vous voulez d'autres vidéos dessus. Donc, ça sera, je vous le dis tout de suite, si vous voulez d'autres vidéos dessus, ça sera une vidéo par semaine. Je ne ferai pas d'autres vidéos. Ouh, premier! Je ferai pas 2-3 vidéos par semaine, j'ai d'autres trucs à faire, comme le Black Ops, Zombie, Black Ops Multi. J'ai aussi ma série Minecraft qui doit continuer avec Croc, la touche. J'ai aussi une série avec. Bah, c'est pas vraiment une série, mais mes petites vidéos délire sur GTA avec McDo, donc les complexes, tout ça. Et voilà, donc je m'excuse encore pour les petits problèmes de micro parce que ça devient n'importe quoi. Hein. On est. Ouais, ça devient n'importe quoi, on est d'accord. Ça devient complètement n'importe quoi. Donc voilà, j'ai fait 19 kills.
Ouais, il y en a qui ont fait qu'un kill, 1 kill, 4 kills, 17 kills, 9 kills. J'ai fait 19 kills, 1-1, 18, 8. Oh bah putain, il gère l'autre là, celui qui a fait 21 kills. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Non, on n'a rien gagné, j'ai juste gagné un niveau depuis tout à l'heure. Oui, bah, je sais ça. Ah oui, j'ai gagné un atout. J'ai gagné un atout. C'est quoi ça? Canon long mitrailleuse. Ok, non, bah non, j'en ai pas besoin. Ça c'est quoi? Pourquoi j'ai encore ça? Ah. Non, désolé, mais moi, le vautour, je le garde. Parce que le vautour est quand même pas mal pour récupérer des munitions. Ok, d'accord. Hop. Pourquoi je peux pas les équiper? Ah, d'accord. C'est quand tu les trouves sur le mur. Alors, je suis jamais allé en zombie. Pour ceux qui sont allés en zombie, dites-moi en commentaire si c'est bien ou quoi. J'ai un peu de doute. Parce que déjà que c'est déjà assez compliqué en multi. Mais je sais que moi au début, moi de mes parties de zombies, j'aime toujours passer des coups de cut. C'est beaucoup mieux tout ça. Donc voilà. Donc prochaine vidéo, normalement vous aurez une vidéo sur Forza. Je vais vous faire une petite vidéo sur Forza, vous montrer un peu des voitures, des trucs comme ça. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre la cloche de notification. Et peace les gens, c'était The Phoenix. The Phoenix. The Phoenix.